Dans moins d'un an, va sortir le film The Joker réalisé par Todd Phillips, avec l'alléchant Joaquin Phoenix dans le rôle du clown fou. Et le film sera une origin story sur le fameux personnage, et la bande-annonce semble présenter une histoire plutôt inédite, qui emprunte probablement certaines idées à Alan Moore dans son comics Killing Jokes. Celle d'un joker humoriste, alors là dans le film de Todd Phillips il va être clown, et un clown apparemment raté qui va sombrer dans la folie à cause d'une très mauvaise journée. Ça en tout cas c'est ce qu'il y a dans Killing Jokes et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont revenir dans le film de Todd Phillips. A propos de Killing Jokes, si vous l'avez pas lu, franchement foncez, c'est pour moi un des plus grands comics de tous les temps. Et ce qui m'intéresse dans cette vidéo ce n'est pas forcément d'analyser la bande-annonce du film de Todd Phillips ou de dire si je trouve que ça a l'air bien ou pas, non, c'est de réfléchir et de répondre à la question Comment faire un bon film sur le Joker. Et donc voici mes pistes de réflexion. Petit 1, Origin Story ou pas Donc vous l'avez compris, le film de Todd Phillips sera une Origin Story. Est-ce que c'est un choix intéressant Dans l'idée, démystifier les origines du Joker, comme ça a été fait par exemple dans Killing Jokes, n'est pas nécessairement un mauvais choix. Mais attention, il va falloir apporter plus que juste ce qui a été dit dans Killing Jokes. Et alors attention, hein, je ne dis pas que Killing Jokes ne raconte pas grand chose, loin de là. Mais je pense en fait que Killing Jokes est un chef-d'œuvre parce que justement, il n'y a rien qui dépasse. En 46 pages, tout y est dit. C'est d'une simplicité enfantine, ça va droit au but, et c'est justement ce qui en fait sa force. C'est un condensé magistral sur le Joker. Mais adapter ça en film, honnêtement, c'est grotesque. Parce que la trame, la matière même, elle y est beaucoup trop légère. Si tu essayes juste d'adapter Killing Jokes en film, tu vas te retrouver avec quelque chose de beaucoup trop court, malheureusement. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec l'adaptation de Killing Jokes en film d'animation. Qui est totalement foiré parce qu'ils ont voulu rallonger en rajoutant une partie sur Bad Girl qui est vraiment mais grotesque. Autant la partie qui correspond aux comics, c'est pas foufou, mais ça marche, mais le problème c'est que ça dure que 40 minutes. Donc je pense que plutôt que d'adapter Killing Jokes, et bah, vaut mieux essayer de conserver la base de Killing Jokes. Cette histoire de comédien, d'humoriste ou de clown raté, contre qui le sort va s'acharner et qui va se retrouver à tout perdre et finir la gueule délavée. D'ailleurs, apparemment, dans le film de Todd Phillips, on n'est pas sur une gueule délavée comme dans le premier film de Burton ou comme dans Suicide Squad. On est plus dans un maquillage que le Joker se ferait lui-même comme quelque chose qui était un peu pareil que s. Ledger. Et donc avec cette base-là, on peut s'attendre plus à un espèce de drame humain sur fond de réussite et d'échec social dans le milieu du showbiz, avec des connexions avec la mafia et les politiques, voilà, je pense que ça va tourner autour de ça. Qu'un vrai film de super-héros. Alors, le terme film de super-héros veut tout et rien dire parce que Incassable est un film de super-héros au même titre qu'Aquaman et pourtant, c'est des films qui n'ont strictement rien à voir. Mais voilà, ouais, vous m'avez compris, on va pas être dans un espèce de truc en mode comic books, on va plus être dans un espèce de rise and fall presque scorsésien. Un film de magouille politique, un film de mafia dans le milieu de la pègre. Et peut-être comment un homme venu de nulle part et qui n'a plus rien à perdre, qui n'a pas de passé, arrive justement à prendre le contrôle de Gotham. Franchement, j'ai l'impression qu'il partent là-dessus et ça a l'air honnêtement d'être une super optique. Mais il y a quand même certains pièges. À éviter. Il faut d'abord prendre en compte Gotham City. Alors c'est important de représenter fidèlement Gotham City, mais il y a un problème à ça, c'est de commencer à accumuler les figures iconiques dans cette ville. Parce que ça peut vite tourner à la foire au clin d'œil, et ça c'est vraiment agaçant, ou ça peut tourner à l'overdose, un peu à la manière de Spider-Man 3. Parce qu'honnêtement, il y a rien de plus affreux que de voir un personnage qu'on aime être traité par-dessus l'épaule. Voir Venom être aussi vite expédié en Spider-Man 3, c'est rageant. Donc à mon avis, pour faire un bon film sur le Joker, il ne faut pas d'autres méchants de l'univers de Gotham. À la limite, on pourrait utiliser Carmine Falcon ou Maroni qui vont incarner la mafia, ça ça passe. Mais tous les méchants un peu typiques comme l'épouvantail, comme Double Face, etc. Honnêtement, je ne les vois pas réussir à bien s'intégrer dans un film solo Joker. Dans le film de Todd Phillips, il semblerait qu'ils sont partis sur un antagoniste qui s'appelle Murray Franklin, interprété par Robert De Niro. Ce serait un politicien, et j'ai pas l'impression qu'il fasse partie du lore de Gotham City, en tout cas dans les comics, j'en avais jamais entendu parler avant. Et le seul problème que je pourrais avoir avec toute cette espèce de trame qui est en train de se mettre en place, c'est que ça ressemble beaucoup plus au parcours du pingouin qu'au parcours du Joker. Parce que c'est vrai que c'est l'histoire du pingouin, en fait, un hein, jeune mec qui débarque de nulle part, un peu fragile, et qui va réussir à progresser dans la pègre de gotham donc faut faire attention à quand même que ça respecte le personnage du joker qui est quelqu'un d'imprévisible et c'est un peu de ça que vient sa force et son côté Insondable. Mais pour répondre à la question initiale, je pense que c'est quand même important de faire une origine story. Parce que ne pas le faire, ce serait vraiment ultra casse-gueule si on veut placer le Joker en protagoniste. Parce qu'un bon Joker, c'est un personnage qu'on a du mal à comprendre. C'est quasiment impossible de saisir sa psyché. Et traiter un personnage dont on n'arrive pas à comprendre la psyché en protagoniste, c'est vraiment hyper difficile. Et donc il faut au moins avoir vécu cette bascule du personnage qu'on arrive à comprendre au personnage totalement fou pour réussir à s'attacher un peu à lui, je pense. Il y aurait un moyen de faire un film sur le Joker sans en faire une origin story, ce serait de faire un film de braquage. Parce qu'à la base, le Joker, c'est quand même un cambrioleur, c'est un braqueur. Et donc, suivre ce personnage, réussir le coup du siècle, ce serait totalement à contre-courant de l'idée qu'on se ferait d'un film sur le Joker actuel, mais honnêtement, ce serait pas forcément une mauvaise chose. Par contre, c'est vrai que réussir à donner un vrai portrait de personnage dans un film de braquage, c'est pas ce qui est plus facile non plus, donc c'est pas forcément la meilleure option pour présenter le Joker dans un film solo. Le deuxième point qui est pour moi primordial dans l'adaptation du Joker au cinéma, ce sont ses motivations. Je pense que le Joker est au top quand il est mystérieux, quand il est insondable, quand il est vraiment mystique, avec aucun but précis, ce qui le rend impossible à comprendre. Là-dessus, on pense évidemment au Joker de Heath Ledger, qui n'a pas d'origine, pas d'identité, et dont, par exemple, les histoires sur ses cicatrices n'arrêtent pas de changer. Ou par exemple, on peut penser au tome 8 de la Cour des Hiboux, où l'on a un passage où on peut commencer à croire que le Joker serait une entité quasiment immortelle qui a existé à travers différentes époques. Et ça, c'est le genre de concept qui apporte toute sa force au personnage, qui arrive à le rendre quasiment légendaire, en fait, et en faire quelqu'un avec une une motivation précise comme une soif de vengeance ou une volonté de pouvoir pour moi c'est vraiment diminuer l'aspect mythique du personnage c'est un peu le problème que j'ai avec celui de Jack Nicholson dans le film de Tim Burton pour moi il est trop pragmatique alors oui il a des accès de folie mais il a des raisons qui sont pour moi beaucoup trop définies pour en faire un bon Joker. Mais comme je le disais, réussir à nous captiver avec un personnage qu'on ne comprendra jamais, c'est ultra complexe. Mais je pense que certains réalisateurs de génie peuvent y arriver. Et malheureusement, jusqu'à présent, je ne considère absolument pas Todd Phillips comme un génie. Donc wait and see. Mais j'avoue que j'ai des doutes sur sa capacité à vraiment réussir à me sublimer ce Joker. Malgré le fait que la bande-annonce est très belle, mais de ce que je vois du personnage, pour le moment, je suis pas encore convaincu. Alors il y a un axe qui permet de conserver une forme de mysticisme tout en lui gardant des motivations. C'est la folie. Car la folie, finalement, c'est pas du tout un axe qui a été travaillé sur les différents jokers au cinéma. Et c'est justement là-dessus que Killing Jokes arrive à la fois à conserver un joker ultra-iconique et mystique, tout en rendant ses motivations abordables. Mais comment suivre un protagoniste fou Eh bah grâce à la narration. J'imagine bien débuter mon film joker parfait sur un monologue du joker dans sa cellule Arkham. Un monologue totalement fou et déconstruit qui serait en fait la narration du film. Évidemment, cet instant serait un moment rattrapé dans le film, d'une manière surprenante, et ça retournerait totalement le film sur lui-même. Et je pense vraiment qu'avoir un film où le Joker manipulerait le spectateur en étant le narrateur apporterait pas mal de choses. Parce qu'on pourrait utiliser sa folie comme un vrai atout de narration et de mise en scène. Parce que se faire malmener par l'esprit d'un fou pour suivre une histoire, c'est un peu devenir fou soi-même. Et donc s'approcher de l'expérience d'être le Joker. Et en plus, ça aiderait à gagner en empathie vis-à-vis -vis de lui, quels que soient les actes atroces qu'il va commettre. Donc pour moi, le meilleur style narratif pour faire un bon film sur le Joker, ce serait un peu la manière des affranchis de Martin Scorsese. Ça aiderait à assumer et à comprendre les motivations du Joker sans les rendre pleinement terre-à-terre. Terre. Et cette narration fonctionnerait parfaitement dans mon idée de film de braquage, évidemment. Après, l'énorme question qui est obligatoire quand tu veux faire un film sur le Joker, c'est Batman ou pas Batman le film de Todd Phillips semble se passer durant une espèce de période électorale où participe Thomas Wayne. Donc bien avant l'époque de Batman parce que si Thomas Wayne n'est pas mort, il peut pas y avoir de Batman. Ça c'est pour les trois du fond qui suivent pas l'histoire de Batman, mais Batman il devient Batman parce que son père meurt et sa mère meurt. Parce que si ses parents meurent pas, il a pas envie de devenir Batman. Donc on pourrait clairement imaginer comme dans le film de Burton que le Joker pourrait par contre avoir un lien avec la mort des parents de Bruce Wayne. Donc à la fin du film, on pourrait par exemple comprendre qu'en fait le Joker est la source de la création de Batman. C'est un peu la première idée qui vient en tête pour réussir, quand on n'a pas Batman dans le film, à garder cette connexion ultra importante entre le Joker et Batman quand même. Car honnêtement c'est vraiment une question primordiale, faut-il avoir Batman pour faire un bon film sur le Joker. Parce que le Joker fonctionne évidemment en tant qu'antagoniste parfait au personnage de Batman. C'est pas une nouvelle hein, tout le monde le sait. C'est pas un des meilleurs méchants de tous les temps pour rien, parce qu'il est son miroir. L'un propose le chaos, l'autre veut faire régner l'ordre. L'un essaie de suivre un certain code, l'autre n'en a aucun. Et il est même souvent évoqué que l'un n'existe uniquement en réponse à l'autre. C'est d'ailleurs toute la thématique du Dark Knight. Parce que dans un Gotham sans Batman, pas besoin de Joker. Voilà, tout ça c'est des choses hyper connues sur la relation entre Batman et le Joker. Donc c'est quand même ultra important. Et donc si on veut faire un film le Joker en tant que protagoniste en mettant Batman dans le film, ça impliquerait que Batman deviendrait l'antagoniste du film. Et ça honnêtement, ce serait vraiment couillu. D'avoir tout un film dans le point de vue du Joker avec Batman comme vraiment ennemi et que nous on n'aime pas Batman dans le film et qu'on soit du côté du Joker, je trouve que ce serait quand même vraiment pas mal. Surprenant, audacieux. Mais pas mal. Et l'intérêt d'avoir Batman en antagoniste, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer Batman. Tout le monde connaît Batman. Pas besoin d'expliquer le contexte, pas besoin d'expliquer son histoire. On peut vraiment l'avoir comme une espèce de force inéductable qui motive et qui est à la fois contre le Joker. Honnêtement, la relation entre Batman et le Joker est tellement géniale qu'on pourrait faire un film de 3 heures avec seulement les deux enfermés dans une pièce que ça resterait passionnant. Mais évidemment, ne pas voir Batman dans le film permet au Joker d'avoir sa propre existence. Mais pour moi, on perd quand même toute une dimension du personnage. Faut vraiment pas que ça devienne juste un espèce de malfrat totalement zinzin, parce que ça, ça a aucun intérêt. Ce qui est fascinant avec le Joker, c'est que c'est un personnage qui est quand même supposé pouvoir véhiculer des vrais questionnements métaphysiques sur l'existence, sur la folie et sur le sens de la vie. Et tout ceci, habituellement, passe par ses confrontations avec Batman. Donc l'opposé d'autres malfrats est le premier truc qui vient en tête, mais ça ne semble jamais transcender le personnage. Et l'opposé aux forces de l'ordre, c'est le rendre vraiment mais ultra lambda, quoi. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir contre qui Todd Phillips va vraiment le confronter, parce que s'il n'y a pas Batman, je me demande vraiment quel antagoniste va réussir à faire le poids. Face au Joker. Donc pour moi, si on devait faire le film le Joker parfait, il y aurait forcément Batman dedans. Sauf évidemment dans ma petite hypothèse de film de braquage qui pourrait fonctionner sans Batman. Quoique si Batman débarque à la fin pour foutre en l'air le plan qu'on a vu depuis le début, je dis pas non. Autre question, PG-13. Alors vous savez, ces histoires de classification, de censure américaine, P.G. 13, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuck dans le film, et le gore est très 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 amoindri. Et il n'y a pas de sexe non plus. Et je pense que le film de Todd Phillips sera un film P.G. 13. Et pour le coup, je ne pense pas que ce soit un problème. Autant pour un film comme Venom ou Deadpool, ça paraissait bizarre, et c'est même quasiment impensable dans le cas de Deadpool de faire un film P.G. 13. Mais pour le Joker, honnêtement, c'est pas obligatoire. Le Joker, c'est vraiment pas un personnage gore, mais par contre, il doit être sadique et sans aucune pitié. Donc c'est vraiment délicat de faire un film sur lui tout en restant dans les clous de la classification américaine. Mais c'est possible. Par exemple, quand le Joker tue ses ennemis en les figeant d'un sourire mortel ce genre de mort pose aucun problème dans la classification PG-13. Après, reste la question de la morale. Un film sur le Joker doit pour moi être totalement immoral. Le personnage ne doit pas être fiable et doit être vraiment dérangeant. Et pour atteindre ça, il faut faire des choix scénaristiques radicaux, avec des scènes fortes et des scènes vraiment dérangeantes. Et pour ça, honnêtement, le PG-13 peut être un frein. Mais un peu de malice de la part des scénaristes et du réalisateur peuvent vraiment faire passer la pilule et nous proposer un super film Le Joker PG-13. C'est possible. Et la grande question, c'est qui serait prêt à réaliser un film le Joker parfait. Dans notre réalité, c'est Todd Phillips, le réalisateur de Very Bad Trip et de War Dogs. Et honnêtement, moi ça me fait pas du tout rêver. Il y a strictement rien dans ces films précédents qui me permette de me dire que ce mec va réussir à embrasser la folie du Joker. Je le vois pas réussir à faire une mise en scène qui va vraiment réussir à épouser ce personnage. Avant de voir l'abandon, j'aurais dit qu'il allait nous fournir quelque chose de très conventionnel, mais faut avouer que les images d'abandon sont quand même vraiment rassurantes. C'est très très beau, il y a vraiment des parties prises graphiques qui donnent envie. Après, on verra comment sa mise en scène se développe sur un long métrage entier et comment ces personnages arrivent à vivre sous sa direction. Mais c'est vrai que ça dénote avec les films de super-héros actuels, donc pourquoi pas J'ai l'impression qu'il a réussi à imposer sa patte, ce à quoi je m'attendais pas du tout parce que le Joker, c'est vraiment pas un perso à consensus. Et il nous faut vraiment un réalisateur assez dingue pour réussir à nous faire le film parfait Joker. Donc, mon choix Honnêtement, ce serait Steven Soderbergh, un mec qui est autant à l'aise dans le cinéma expérimental que dans le cinéma grand public. Il arrive à faire des films crades sans trop en rajouter. Il a traité la folie dans un de ses derniers films, donc je pense qu'il s'en sortira très bien. En plus, si on fait toujours mon idée de film de braquage, là pour le coup, il est dans son élément, hein, Soderbergh, c'est le mec qui a fait les Ocean Eleven. Donc, un film de braquage avec le Joker réalisé par Soderbergh, moi je signe tout de suite. Maintenant, réfléchissons à qui serait parfait pour incarner le Joker. Bon, la faut avouer qu'avec Joaquin Phoenix, on est quand même vraiment, vraiment bien loti. C'est un super choix, le mec a l'air de s'être donné Corps et âme dans le rôle, c'est un super acteur, il a vraiment eu des moments dans sa carrière où il a été troublant, on a l'impression qu'il est devenu réellement fou à certains moments, alors au final c'était pour un espèce de documentaire étrange, mais voilà c'est un mec qui colporte une image assez dingue derrière lui, donc il est parfait pour incarner le Joker, il y a rien à dire. Alors par contre si on voulait faire mon film sur le Joker en fin de carrière qui effectue son dernier braquage, on aurait pu penser à William Defoe, évidemment. Franchement, mais William Defoe, c'est tellement une évidence, ce mec était fait pour jouer le Joker au moins une fois dans sa vie, quoi. D'ailleurs, quand vous tapez William Defoe sur Google, c'est le premier mot qui vient après, c'est Joker, quoi. Le mec était fait pour le jouer. Donc honnêtement, si William Defoe décède avant d'avoir pu incarner le Joker dans une adaptation live, ce serait un des plus gros gâchis de l'histoire du cinéma. Donc pour résumer, voilà mes deux options pour réaliser le film Joker parfait, et honnêtement, il y en a une qui a l'air de se rapprocher vraiment de ce que Todd Phillips est en train de faire, donc... Ça sent plutôt bon. La première, c'est un rise and fall sur un mec totalement paumé qui va dynamiter une ville, et le tout narré à la première personne par un narrateur totalement fou qu'il ne faut pas croire. Et le deuxième, ce sera un film de braquage ultra tordu sur un Joker vieillissant, évidemment interprété par William Duffo. Et honnêtement, on aurait pu donner le premier à Scorsese et le deuxième à Soderbergh, j'aurais été très content. Mais reste à voir ce que Todd Phillips nous prépare, en tout cas la bande-annonce est vraiment alléchante. Ça laisse inaugurer quelque chose d'intéressant, encore une fois pour les comic books, on est un peu dans la lignée de Logan, on va s'écarter du genre film de super-héros pour aller explorer. Oui. Des genres un peu secondaires comme le film de Mafia ou Le Western dans le gars. Donc là on est un peu dans cette config-là et honnêtement, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, qui est pas vraiment une vidéo réaction à la bande-annonce, qui est plus quelque chose que j'avais en tête, j'avais envie de parler de comment faire une adaptation d'un film sur le Joker. Je trouve ce personnage fascinant. Voilà, vous savez tout. Si vous avez des options, si vous avez des idées, dites-moi comment vous, vous verriez le film parfait sur le Joker dans les commentaires. N'hésitez pas. Voilà, on réagit et on essaye ensemble de, de, de trouver quelle est la meilleure option pour interpréter et pour surtout mettre en image ce personnage au cinéma. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon YouTube pour regarder des pubs, à partager cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne évidemment. J'ai un scénario que j'ai écrit de court métrage qui fait 10 pages euh, pour 1 euro. Vous pouvez l'acheter et le lire sur YouTube. Je me dégourrais de lien dans la vidéo précédente, là c'est en bas. Voilà, vous pouvez. En tout cas, merci à tous ceux qui me, qui me donnent de temps en temps des dons sur YouTube. ça fait super plaisir. Voilà, bah écoutez, ça me fait, ça me fait plaisir, ça me motive toujours à faire des vidéos. Voilà, là c'était une vidéo, ça fait très longtemps que je l'avais écrite. Et je ne savais pas trop comment la tourner. Je me suis dit, bon, bah, écoutez, on va faire simple. Je vais faire du fast-cam parce qu'au final, ça reste ce qu'il y a de plus simple à faire et ce qu'il y a de moins casse-gueule. J'avais envie de mettre de la fiction autour de cette vidéo, mais j'ai toujours du mal à intégrer de la fiction. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça va vous saouler qu'en fait, vous êtes juste là pour écouter ce que j'ai à dire, quoi. pas forcément ce que j'ai à fictionner autour. Alors, si je trouve un concept génial de fiction, je le referai et j'hésiterai pas. Mais bon, voilà, là, avec la bande-annonce, je me suis dit, c'est le moment de la faire cette vidéo. Autant, autant, la, autant la sortir maintenant. Et bah écoutez, j'en ferai d'autres des vidéos sur comment faire un, un, un bon film avec. J'en ai une décrite euh, par exemple sur Macron, qui est assez rigolote, que je vous ferai un, un de ces quatre. Voilà, on se retrouve très vite. Comment faire un bon film sur Macron hein Bonne question. Voilà, écoutez, euh, bah d'ici la prochaine, bonne toile